m'inscrire ici à l'école d'art de coiffure, c'était en 89. J'ai fait mes 3 ans ici, donc 5, 6, 7, mais tout ça contre l'avis de mon père, parce que au départ, il disait qu'il y avait trop de coiffeurs, que c'était pas possible. Et finalement, c'est grâce à lui et à ma maman, bien sûr, que j'ai ouvert mon salon à l'âge de 19 ans. Et voilà, mon papa, malheureusement, il n'est plus là, mais il était très fier de moi. Et voilà, comme quoi il faut quelquefois suivre son instinct quand on est jeune et savoir ce qu'on veut dans la vie et croire en ses rêves, surtout. Il y a un détail important qui me reste marqué. Je vais avoir 4-5 ans, j'étais chez un coiffeur à Stambrou, chez Jean-Louis, et je l'ai regardé travailler. Je regardais couper, et je l'ai regardé, et je lui ai dit « un jour, je ferai comme toi ». Je donne beaucoup de cours partout en Belgique et au Luxembourg. Je travaille aussi avec David Jambot, on a un studio de relooking sur Jemap. Mon rêve maintenant, moi, ce serait de faire le tour du monde, d'aller voir tous les professionnels, tous les passionnés dans leur salon, aller voir comment ils travaillent, aller partager des expériences. La coiffure, c'est un art dans le sens où elle est là pour, je veux dire, embellir, oui, une personne, mais surtout faire ressortir la nature de la personne. Parce que quand on a une belle tenue, un beau maquillage, mais qu'on n'est pas bien coiffé, ça ne le fait pas, quoi. Ça ne suit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la première chose qu'on regarde. Tout coiffeur, passionné, artiste, doit mettre en exergue justement le visage, faire ressortir les traits du visage, faire ressortir une personne. C'est ça la beauté du métier, c'est que ça te permet de faire tout ce que tu veux. D'aller voir au Canada, d'aller voir aux États-Unis, parce qu'on a tous le même dialogue. Encore une fois, quand tu connais tes bases, que ce soit en coupe ou en colorimétrie, tu vas partout dans le monde. Tout simplement.